Au MPSG, 0 à 3, je vois la trace au niveau du sternum de Marquinhos. L'arbitre justifie l'expulsion d'Harit. François Le Texier, l'arbitre du Clasico, s'est présenté au micro de DAZN à l'issue de la victoire parisienne, 3 à 0, bien conscient de l'impact de sa décision d'expulser Amine Harit. François Le Texier est courageusement venu expliquer sa décision d'expulser Amine Harit au micro de DAZN, en dépit de la désapprobation de la plupart des anciens joueurs désormais consultants pour le diffuseur de la Ligue 1. L'arbitre breton n'a pas cherché à nier les conséquences du carton rouge, dégainé à la 20e minute, sur la suite d'un match largement remporté par les Parisiens, 3 à 0, mais il a défendu sa position. Je sais que cette décision a eu des conséquences majeures et sur le spectacle de la suite de la rencontre. Mais ce qui m'anime, c'est que mes décisions techniques soient justes, a-t-il confirmé. Le PSG menait déjà d'un but et Marseille s'est sabordé par la suite, mais le choix de Le Texier a tout de même été vivement débattu. Dès le départ, j'ai le sentiment que ce geste met en danger l'intégrité physique de l'adversaire, a confié l'officiel. Je prends le temps de la réflexion, Marquinhos enlève son t-shirt et il y a la trace des crampons sur son sternum. C'est à la fois l'action à vitesse réelle et les conséquences qui motivent le carton rouge. Bien que le geste du milieu offensif marseillais, dont le regard est focalisé sur le ballon, ne paraisse pas délibéré, c'est clairement la mise en danger de l'intégrité physique de l'adversaire qui prédomine, c'est notre devoir de protéger les joueurs, commente l'arbitre. Le Texier a également indiqué avoir été appuyé par l'assistance vidéo, d'où le fait qu'il ne soit pas allé revisionner lui-même les images. Si les conditions techniques me poussent à prendre une décision importante à la 20e minute, je me dois de le faire, conclut-il. Lorsqu'un joueur arrive jambes tendues sur le sternum de l'adversaire avec les marques de crampons visibles, j'ai du mal à considérer que l'intégrité physique n'est pas atteinte.